Bon, c'est une satisfaction parce que ce don est venu renforcer le dispositif que le ministre de l'Éducation nationale a bien voulu mettre à la disposition de l'Académie. Et comme vous le savez, nous sommes toujours dans le processus. Nous avons besoin des mesures de protection pour confiner le virus et dire à l'endroit de nos établissements, de nos élèves, qu'il ne faut pas encore baisser le bras. Donc, le professeur Daouda Ndiaye est venu nous appuyer à travers M. Thierno Amadou Sy. Et nous saluons vraiment à juste titre ce don qui est significatif et qui participera sans nul doute à nous appuyer dans le cadre de la poursuite des enseignements-apprentissages et de la préparation des examens pour encore renforcer la dotation des écoles et des établissements. Et donc, toujours nous tenir droit dans la réponse que nous devons apporter au COVID-19. Je voudrais donc, au nom de toute la communauté éducative, donc remercier le professeur Daouda Ndiaye pour ce don et lui dire que nous avons reçu l'ensemble du don qui est important en termes de masques, 3 000 masques, en termes de gel et en termes de savon liquide, et que véritablement nous souhaitons continuer avec lui ce partenariat parce que l'Académie de Matam a besoin de ce partenariat pour relever nos indicateurs et travailler avec lui aussi dans le cadre des grands projets que nous avons, notamment en ce qui concerne l'organisation d'une journée de reconnaissance à l'endroit de tous les acteurs de notre communauté éducative.